Riga. J'ai pas envie de me faire opérer. Je suis là. Ce sera pas long. Ah bah putain, ça doit pas faire mal, hein. Ah, tu as cassé. On va voir ce qui se passe. Ah, d'accord, la peau elle déchire. Mm-hmm.
Anna, je suis dehors. Fais attention, le chemin du site est rempli de pièges. Ok. Les trinitaires n'ont pas fini. J'aurais pas dit ils ça, protègent moi. Quelque chose. J'aurais dit. Ça aurait rempli de pièges à planer. Et on sait toujours pas qui dirige la cellule locale des trinitaires. J'ai parlé à des gens en ville. Et c'est l'ébullition. Ils attendent la visite d'un VIP pour le jour des morts. Un certain Dominguez. On devrait enquêter. Ben moi, je suis pas sûr de leur faire ça en vrai. Je donne le temps d'y faire ça. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Lara! Oh. Pas possible, mate un peu cet endroit. Ouais, tu vas faire quoi? Nos recherches ont fini par payer. On sait ce que veulent les trinitaires. Ouais, ils veulent pas nous voir ici. Heureusement qu'on a les notes de ton père. J'ai vu où le passage s'est écroulé sur ta jambe. Tu veux que j'inspecte ta blessure? Non, ça va. C'est quoi tout ça? Des constellations. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Un poisson rose? Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les trinitaires feraient ça? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Qui a bien pu y toucher? Ça sent le piège à plein nez, là. Lara! Il faut qu'on sorte d'ici! Lara! Non, j'ai besoin de ça! Allez! Vite! Cours! Dépêche-toi! Tu m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Tu serais peut-être encore, mais tu ferais pas grand-chose. Jonah. Eh, ça te dit de souffler un peu, on pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va, je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Eh, je connais le cuistot. Oh, j'ai pas vraiment faim. Quoi? Même après tout ça, j'ai la dalle. Je boufferai une baleine. Du nouveau sur le docteur Dominguez? Pas grand-chose. Il dirige les fouilles des trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Et sinon, ta jambe, ça va? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions.
Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Ah, je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chassez le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'Hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Pérou. Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 Maya. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? La précession. Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier Maya, il y a 2 millénaires d'écart. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où il va. Hé, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Les Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez ? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut, Sammy. Comment ça va ? Tu l'as vu, alors ? Non. On continue de chercher. Il est passé. Continuons à chercher. Non mais tu te rends compte ? On l'a pris en train de boire les ofrendas. Oh là ! Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Inutile de punir. Il est déjà bien puni par la tequila. Regarde, c'est pour mon père. Je pourrais en allumer un pour ma mère. J'aime pas vraiment la foule. Tu préfères les gardes tempêtes ou les immortels ? Non, je survivrai. Jonah, il arrive à la porte. Bien. Ne laissez personne me suivre. Ça a posé un problème, ça. Je dois pouvoir franchir le mur autrement. Moi, je m'occupe de ces gars. Hé, les gars, comment ça va ? Bien. Mais faut pas rester là. Dites-moi, il paraît qu'il y a une espèce de super fiesta avec des filles maquillées en squelette. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est pas pour les touristes. Non, non, c'est que... c'est Maria qui m'a invité. Vous la connaissez, c'est ma cousine. Ma grand-mère était du coin. Ouais, on dirait pas, je sais. J'aurais voulu faire une offrande ou ce truc avec les couvertures. Ok, bon, en fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. À plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Jonah, j'y suis. Ok. Ces gardes n'étaient pas à l'entrée tout à l'heure. Dominguez doit se douter de quelque chose. Pardon, excusez-moi. Vous avez pris contact avec le conseil, commandant ? Oui, monsieur. Bel fiasco au Brésil. Personne ne remet en doute votre place à la tête de l'organisation. On ne peut plus faire machine arrière. Oui, monsieur. Tout le monde se tient prêt. Pardon. Jonah,
Dominguez n'est pas seulement le chef de la cellule. Je pense que c'est lui qui est à la tête des Trinitaires. Faut qu'on fasse attention. Lara. Oui, c'est bon, je t'entends. Disculpe, señorita. C'est moi. Quelqu'un a déclenché un piège au premier site. Sans doute Lara Croft. Stop. Ça va pas? Je veux des faits, commandant. Pas des estimations. Je vais m'assurer qu'on ait une confirmation visuelle. Jonah, ils m'ont peut-être repéré. Je passe par la ruelle. Je vais trouver un autre chemin. Docteur, son muchos de sus hombres. On n'est jamais trop prudent. Vous êtes bien humain. Merci. On doit y aller. Oui. Dominguez veut savoir si Lara Croft est là. T'as sa photo. Une femme blanche. Une vingtaine d'années. C'est compris? Bien. Alors? Ils la trouveront. Bien. Hors de question que qui que ce soit rentre ici. Hé, hey, sortez de mon bureau. Pardon? Fermez la porte derrière vous. Ok. Ah! Lo siento! Ne t'en fais pas. Vas-y, la joue. Les découvertes sur le site sont tout simplement incroyables. C'est la clé de notre prochaine étape. Si c'est bien ça, nous serons prêts. Jonah, ils sont dans le site de fouille. Il y a une clôture et un garde à l'entrée. Je vais trouver un autre passage. J'ai trouvé le coin parfait. Je surveille le périmètre. Au niveau des armes, c'est ce qu'on a. On va regarder après là. Une pyramide Maya à l'intérieur d'une sorte de caverne. C'est fascinant. Emmenez-le dans les rues. Ça devrait être assez loin pour masquer le bruit. Ça sert à rien. Bien te dépêcher un peu. Ils attendent qu'on rentre. Dernière pensée. Stop! Attendez! Je représente le gouvernement. J'ai le droit d'être ici. Et maintenant, monsieur l'archéologue en chef, on vient de mettre un terme à votre contrat. Pitié, non! Je vous ferai pas de mal. Vous aidez les Trinitaires? Ils ont trouvé quoi? Ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à l'entrée du temple. Mais on l'a trouvé. Oh non, il faut que je prévienne ma sœur. Elle devait me rejoindre. On fait voir si on peut voir les armes. Jonah, les Trinitaires viennent d'essayer de tuer un archéologue. Oh merde. Il faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Ici le commandant Rourke. À toutes les équipes. Ah ouais, c'est là. Noir.
Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. Je ferais mieux de jeter un œil à ces ruines. Mieux d'aller inspecter les ruines. Oh, on a entendu. Je la reconnais. C'est Ishel, la déesse de la pleine lune. Oh, et là, c'est Shakshel, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Shakshel, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà. L'entrée doit être là-dessous. Bon, il faut bien que je descende. Bon, on va faire un peu d'exercice. Bon, ça devrait marcher. Il y a pas mal de nouveaux grappins. Ok, alors. Ici le commandant Rourke. Sécurisez toute la zone. Dès que le docteur Dominguez sera là, on entrera tous ensemble. Testez-moi une là. À toutes les unités, tout prêt. T'es affiché. Docteur Dominguez est en chemin. Non, je dois me dépêcher. Tu regardes cette caverne. Voilà. Jonah, j'entre dans une caverne. On risque de perdre le contact. Bien reçu. Je vais surveiller les trinitaires. Cette caverne a l'air d'être souvent inondée. Les bas-reliefs sur ce monolithe Maya sont beaucoup trop abîmés pour être déchiffrés. C'est moi une. Mais
où je suis tombée. Je dois trouver le temple que Dominguez cherche partout. Wow, putain, j'ai eu chaud là. Jonah, j'ai réussi. Je suis dans un temple souterrain. Bien. Wow. C'est pas bon, ça. Lara, les trinitaires entrent à l'explosif. J'entends ça. Ça crée des secousses. Il y a une pyramide. Je vais monter au sommet. Lara, comment ça va? Bien. J'ai trouvé des plateformes qui peuvent m'aider à atteindre le sommet. Je cherche des contrepoids. J'entends mal. Il y a de l'activité ici. Je vais m'approcher. Ah.
Ouais, parce qu'il faut que j'en fait, fallait que je aille là. Ouais, c'est pour ça. Jonah ? Oui, je suis là. Jonah, il y a une fresque ici. On voit une boîte. L'inscription dit « La boîte d'argent d'Ishel ». C'est sûrement ça dans la cité perdue. C'est une légende maya. Elle dit que la boîte invoquera le dieu Kukulkan. Le dieu de la création. C'est ça que cherchent les Trinitaires ? Attends, c'est pas fini. On dirait une série de cataclysmes. Une tempête, un séisme, l'éruption d'un volcan. Sympa, le dieu de la création. Oui, mais chez les Mayas, Kukulkan est le dieu de la création et de la destruction. On dirait la constellation de l'Hydre, mais les étoiles ont l'air mal alignées. Jonah, j'ai trouvé une dague. Il y a une inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification. On peut pas laisser faire les Trinitaires. Ouais, faut réfléchir. Merde, Lara, il y a des Trinitaires qui viennent vers toi.
Jonah, reste pas là, remonte. Non, non, tu l'as prise, c'est ça? Vite. Ils sont en route. Qui ça? Le docteur Dominguez, notre homme. Apparemment, on a trouvé son piège. Génial. Alors le siège commence. Ouais, c'est pour ça qu'on a des renforts. Ça va. Dominguez arrive cette nuit, j'ai compris. Dis-moi ce que je te dis, c'est que la pluie va noyer cette... Dis-moi que je fais quoi, bordel? J'inspecte justement la pompe à eau. Bon, on va faire en sorte que tout se déroule correctement. Aucun des employés locaux ne doit repartir vivant. Ah.